Tom, cho anh coi chưa? Please sit down. The court official, please bring in the witness to the courtroom. Donc, je demande aux huissiers de bien vouloir amener le témoin dans la salle d'audience. The court is now back in session and coming next I would like to give the floor to Judge Lavergne to continue asking questions to the witness. Juge Lavergne de manière à ce qu'il puisse poursuivre. Judge Lavergne. Tout à l'heure, nous avons parlé de la population détenue. Vous nous avez dit qu'elle était composée en majorité de paysans. Vous avez également parlé d'enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur les enfants, l'enfant ou les enfants qui étaient détenus à M13? J'ai en mémoire... Well, as far as I recollect, François Bizot, tout particulièrement une petite fille. Remember, et je more specifically, ne crois pas me souvenir a little girl, de la présence d'un autre enfant but I dans don't le camp. Think I remember any other children in the camp. Je me souviens aussi avoir dit que je trouvais, I remember also avoir dit à Duc, having said to Duc, que je trouvais insupportable la présence de cette petite fille that I thought that the qui, presence est venue, of qui était venue. This little girl was absolutely unbearable. Qui accompagnait son père. This little girl who was accompanying her father. Je garde un souvenir très précis I de leur arrivée very dans le camp, clear memory of their arrival in the puisque camp. L'emplacement qui m'était destiné était à l'entrée du camp. Was at the entrée du camp qui faisait d'ailleurs sortie. Je voyais donc les gens entrer et les gens sortir. So I would see the people come in and the people go out, of course. Et le père de la petite fille and the father of this little girl a été conduit devant Duch et Duch brought before Duch a consulté son dossier and Duch looked at his file et donc à la suite and de cela after that, l'a renvoyé et les gardes qui avaient amené sent him away and the guards le had père et la fille brought the father and the little girl ont reconduit le père. Brought the father et back le out père, of the camp. And the father, il y avait une caractéristique aussi, c'est que dans les Khmer Rouges ne répondaient jamais au salut des gardes, etc., au salut here, des prisonniers. That, j'ai toujours vu Duch répondre au salut des prisonniers. But however, Duch did. Et donc cet homme qui avait les bras attachés dans le dos, man who had his hands tied behind his back, quand Duch a remis le dossier when Duch gave the file, que le garde qui l'accompagnait lui avait apporté took the file from the guard, avant de tourner les talons pour s'en aller a salué Duch Duch a répondu à son salut et il a regardé sa petite Duch, fille qui avait 9 Duch, ans saluted him and Duch looked at the little girl je she was 9 years old I knew that I learned that later that she was il a hésité and he hesitated for a while et lui a dit and said to her, quelques mots que je n'ai pas entendus, j'étais trop words, loin. I was too far mais d'où to j'étais, really j'avais aussi une vue sur them. Le devant du baraquement des gardiens was, qui était composé dont l'entrée avait un auvent sous lequel Duch mettait kind souvent of porch, sa table de travail. Where Duch would set up his donc j'ai vu que le table. Père
a dit deux mots à sa petite fille, that the father said a few words to his comme s'il allait revenir. As if he was going to come back. Parce que vous souhaitez, Monsieur le Juge, que je continue Would sur l'histoire like de la petite fille? Your Honor, to continue about non, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, girl, simplement pour savoir s'il y avait d'autres enfants, well, je crois que vous avez I'm répondu. Sure voilà. Ouais. Simplement children, pour peut-être préciser que cet enfant a survécu. Survived. Oui, alors elle est restée dans le camp pendant quelques jours, bien entendu, elle pleurait, elle refusait de s'alimenter, et puis au bout d'un certain temps, elle a été prise en main, comme on dit, par les jeunes gardiens, et elle a participé, d'abord silencieusement, et ensuite, en prenant une part pas très active, mais enfin en étant au milieu d'eux, avec eux, notamment pour les séances de confession quotidienne. Tous les gardiens, quand il ne pleuvait pas, au moins, s'asseyaient dans la partie qui était entre le baraquement des gardes, leur baraquement, d'une certaine manière, et l'endroit où je me trouvais situé. J'étais aux premières loges pour voir comment ça se passait. Donc il y avait une confession collective où chacun devait d'abord regretter ses propres manquements à la Révolution, et ensuite où chacun devait aider son voisin à se rappeler des manquements qu'il avait pu avoir, des fautes qu'il avait faites, mais dont il ne se souvenait plus. C'était donc évidemment toujours l'objet de chamaillerie, de pleurs et de punitions, en tout cas d'affrontements. Et la petite fille a participé. Et ensuite, elle est devenue, d'une certaine manière, elle a pris part au travail des gardiens. Judge Laverne. Concernant ces séances d'autocritique, vous dites qu'il fallait que les autres aident les camarades à prendre conscience des manquements qu'ils avaient pu commettre. Est-ce que cela signifie que c'était une incitation à la délation? Tout à fait. Mais monsieur le juge, la délation était une qualité, était requise. On citait en exemple des jeunes révolutionnaires qui n'avaient pas hésité à accuser ou à faire porter les soupçons sur leurs parents, leur père et leur mère, comme des exemples de bons révolutionnaires. To show that they were good revolutionaries. C'est quelque chose que vous avez entendu personnellement, que vous avez vu ou qui vous avait été rapporté plus tard? J'ai pu voir des exemples de ce type au moment où les Khmer Rouge ont commencé à apparaître un peu dans la région de Siem Reap. Un peu avant, et ensuite après, mais je ne suis pas resté très longtemps, c'était en 70, au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, 70, et très vite, il apparaissait que pouvoir dénoncer quelqu'un comme anti-révolutionnaire, sous quelque forme que ce soit, ne serait-ce que sur un juron, sur un comportement réfractaire, même si c'était quelque chose qui avait été dit d'une certaine manière sans témoin, au milieu de gens de la famille, pas nécessairement devant des Khmers Rouges, c'était suffisant pour qu'ils soient ensuite appelés à aller à rencontrer des responsables Khmers Rouges. Ils recevaient un petit papier pour les convoquer. Mais donc cette délation était déjà mise en place. Ensuite, dans le camp, il y avait quelqu'un, je n'ai jamais vraiment su si c'était un, comment dit-on, un mouchard, si c'est comme ça qu'il faut dire,
Mais en tout cas, j'avais de l'affection, de la sympathie pour lui. C'était un prisonnier qui est mort dans le camp. Et qui était aussi quelqu'un qui était depuis plus d'un an, je crois me souvenir, un an et demi dans ce camp. Il n'avait rien fait. Ça, c'est pas quelque chose qui puisse être mis à son bénéfice, puisque la plupart du temps, même quand on a fait quelque chose, il était considéré qu'on disait qu'on n'avait rien fait. Quoi qu'il en soit, il y avait si peu de présomption contre lui qu'il était très libre. Et il venait fréquemment parler avec moi. Et ce qu'il me disait était peut-être aussi une manière, j'ignore si Doute était au courant de ses agissements, this, mais c'était peut-être une manière de m'apaiser, de paraître de mon côté, pour peut-être vérifier que je n'allais pas tenter de m'évader. Mais lui-même m'a raconté beaucoup d'histoires qu'il avait vécues en territoire Khmer Rouge. Et c'est, je dirais, que la délation, qui est une autre forme du mensonge, est l'essence même du travail, de la prolifération révolutionnaire. Of, let's say, revolutionary proliferation, you could say. Concernant les différentes catégories de détenus, vous avez parlé de détenus qui étaient enchaînés, entravés, et de détenus qui étaient des travailleurs qui n'avaient pas de chaîne. Est-ce que c'était un régime qui était un régime de jour? Est-ce que le régime de nuit était le même? Est-ce qu'il y avait des entraves la nuit? Est-ce que ces détenus désenchaînés étaient nombreux ou pas? Ils n'étaient pas nombreux, ils étaient employés en cuisine. Pour autant que je puisse me rappeler de ces détails-là, je ne peux pas répondre sur la précision que vous me demandez. Est-ce que s'ils étaient libres le jour, ils étaient quand même entravés la nuit? J'aurais tendance à penser que non, mais je n'en suis pas sûr. L'un d'eux, d'ailleurs, s'est sauvé quand j'y étais. Et ça avait mis les gardiens en émoi. Une partie d'entre eux était sorti du camp pour essayer de le récupérer. Ils sont revenus en disant qu'ils l'avaient rattrapé et tué sur place. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce gardien, ce travailleur qui était qui pilait le riz tous les matins et qui souvent m'apportait lui-même ma part, était quelqu'un que de très silencieux et on a tous, je crois, rêvé à sa fuite en pensant qu'on aurait bien voulu être à sa place. Il y avait plusieurs personnes qui se déplaçaient effectivement dans le camp, mais j'ai toujours compris qu'il s'agissait de prisonniers qui étaient là depuis longtemps et qui avaient en quelque sorte gagné le droit par leur travail, leur fidélité à la condition qui leur était imposée, le droit de se déplacer sans être enchaîné. Enfin, le droit de ne pas être enchaîné. Vous avez parlé tout à l'heure des gardiens, de leur comportement puéril, leur très jeune âge. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus de détails concernant donc la situation de ces gardiens? C'était tous des enfants? Il y avait des adultes? Il y avait une hiérarchie? Je ne sais pas s'il y avait une hiérarchie directement entre les gardiens, je ne le crois pas. Ils avaient quelques supérieurs entre l'adjoint, si on peut dire comme ça, de Douit, qui était plus âgé, et puis aussi quelques responsables Khmer Rouge que j'ai vu apparaître sans que je ne me souvienne beaucoup d'eux, parce que notamment un jeune homme dont je me souviens avoir vu à plusieurs reprises, qui organisait
les discussions et les confessions le soir entre les gardiens, les jeunes gardiens. Les séances d'endoctrinement, d'une certaine manière. En revanche, entre eux, il y avait beaucoup de chamaillerie. C'était des bons gamins de la campagne. Ils étaient des villages environnants. Pour plusieurs, j'en suis certain, puisque j'ai même été autorisé, je me souviens, pour la préparation du dîner d'adieu que j'ai mentionné en début de ma déposition, à accompagner l'un d'entre eux jusqu'à... C'était pas vraiment un village, c'était des maisons séparées dans la forêt claire. Mais enfin bon, jusqu'à la maison de sa mère pour acheter, commander les 13 poulets qui avaient été destinés à ce repas d'adieu. Donc c'était des jeunes garçons du coin. D'une certaine manière, ils bénéficiaient, ne serait-ce que dans le traitement de leur nourriture, et aussi, j'imagine, de la part de leurs supérieurs, ils bénéficiaient de cette protection du peuple acquis à la Révolution, qui donnait, qui permettait que ces enfants aillent travailler avec les révolutionnaires. Ça les protégeait d'une certaine manière. Leur comportement entre eux était celui d'enfants qui s'amusaient, qui étaient cruels et pervers, et en même temps gentils et sympathiques, mais c'était jamais les mêmes. Enfin, je veux dire, ils bougeaient beaucoup entre eux. Du jour au lendemain, je me suis mal exprimé, c'était toujours les mêmes gardiens que j'ai vus en trois mois, ils n'ont pas changé eux, mais leur comportement était volatile, et donc ça n'était pas, on ne pouvait pas s'attendre à ce que celui qui était sympathique le lundi le soit encore le mardi. Alors, venons-en aux interrogatoires. Il a été question de méthode douce. Est-ce que c'est un nom que vous avez entendu? Est-ce que ce mot, ces mots ont été employés quand vous étiez à M13? Non, monsieur le juge, je pense que en ayant employé ce mot, j'ai fait un anachronisme. Parce que je sais que à S21, pour l'avoir lu, il y avait la méthode douce et la méthode forte. En ce qui me concerne, je n'ai pas voulu me référer à une technique particulière, j'ai simplement voulu dire que moi, je n'ai pas été battu, je n'ai pas été, disons, torturé pour faire des aveux, pour extirper, que me soient extirpés des aveux. Voilà ce que je voulais dire. That is what I meant. Vous avez indiqué qu'on vous avait demandé de rédiger une déclaration d'innocence. C'est les mots que vous avez employés. Alors, j'aimerais savoir si effectivement on vous a demandé de rédiger une telle déclaration ainsi qualifiée, ou est-ce qu'on vous a demandé de rédiger des confessions? Ça ressemblait peut-être un peu à ça, mais je me souviens, à moins que ce terme, je l'ai inventé entre-temps, mais j'ai toujours eu le souvenir qu'il s'agissait de déclaration d'innocence, c'est-à-dire d'un texte que je devais rédiger pour montrer que j'étais innocent des accusations qui m'étaient portées. Et c'était normalement le développement ou la seconde partie d'un curriculum vitae où je devais décliner mon identité, donner toutes les précisions sur mon père, ma mère, etc. Et puis aussi les raisons, donc, puisque moi j'étais étranger, qui avait fait que je venais au Cambodge, et où je jurais, et je dois dire que pour donner plus de consistance à mes, à plus de vérité à ce que j'écrivais,
J'écrivais en permanence, enfin à chaque fois, je jure sur la tête de ma fille que je n'ai jamais été, etc., etc. C'était d'une certaine manière, je devais dire que j'étais innocent. I was supposed to state that I was innocent through these pieces of drafting. Judge Laverne. Vous nous avez parlé également de ce que vous avez pu voir dans une cabane située de l'autre côté de la berge, de la rivière, et des déductions que vous avez faites à partir de ce que vous avez vu. Pour autant, est-ce que vous avez été le témoin direct de scènes de violence? Est-ce que vous avez entendu des cris? Est-ce que vous avez entendu des choses qui, en dehors de ce que vous avez vu, vous laissez penser que des pratiques violentes étaient exercées? Jamais. Je n'ai jamais entendu de cris. Je n'ai jamais été témoin d'aucune violence pendant toute la durée du camp de mon incarcération à M13. During my en revanche, detainment, the whole period of my detainment at M13. Il me revient, me semble-t-il, que, ayant été autorisé à discuter avec mes deux collaborateurs, à partir du moment où Doug a accepté que eux, comme moi, soit détaché. Nous avons eu l'occasion de nous asseoir ensemble et de parler un peu. Comme je vous l'ai dit, monsieur le juge, eux étaient certains que, sans oser me le dire directement, mais que je ne serais pas libéré, en tout cas, ils le craignaient. Et ils m'ont dit qu'ici, les prisonniers étaient frappés, qu'ils l'étaient à coups de verge sur les côtes on their ribs, et que comme chaque prisonnier portait une chemise, cette chemise noire à boutons, même quand elle était déchirée, even when the shirt was il continuait rags, à la porter, this shirt would still be worn, ce fait faisait que personne ne voyait les traces du coup qu'ils pouvaient recevoir. Je ne pense pas me tromper en me rappelant ce point qui m'aurait été révélé par mes deux compagnons. Voilà, vous nous avez fait état également des déclarations que l'accusé a pu vous faire au cours d'une soirée. Ce n'est pas nécessaire de s'apesantir sur ce que vous nous avez déjà déclaré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu aussi des conversations que vous avez pu avoir avec Doug concernant les relations entre les Khmer Rouges et les communistes Vietcong? Viet Cong communists. Parmi les premières choses que je me pense avoir dites à Doug, il y avait cette constatation, cette observation que tout le monde faisait. C'était comment that was at the time. Mais vous êtes en cheville avec les Nord-Vietnamiens, vous les Khmer Rouges. You work hand in hand. Mais est-ce que vous imaginez qu'une fois que vous, ensemble, vous aurez gagné, ils vont partir pour vous laisser la place? You think they're going to just walk out and leave you alone? Je pense qu'en disant cela et en traduisant ma méfiance vis-à-vis des divisions vietnamiennes qui était entré dans le Cambodge avec comme principal viatique le nom de Sihanouk et puis une cigarette, des divisions vietnamiennes rentrées dans les villages, je les ai vues entrer à Srasrang tendant une cigarette aux paysans qu'ils croisaient sur leur chemin, et comme seul mot cambodgien c'était Sihanouk. Je ne fais que rapporter un fait, mais que
en traduisant cette méfiance, j'entrais, je crois, dans la ligne du parti by talking about this, qui I was était, semble-t-il, déjà à cette époque, en train de prendre des distances vis-à-vis de leur collaboration, si on peut parler de collaboration, avec le grand frère voisin. The big brother from the neighboring country. J'avais aussi fait valoir que I also, during those en réalité, quand j'ai été, quand les divisions nord-vietnamiennes sont arrivées dans la région de Siem Reap et que le village où j'habitais à 13 km au nord de Siem Reap s'est trouvé lui-même de l'autre côté des lignes vietnamiennes qui avaient encerclé Siem Reap. J'ai tenté une sortie pour rejoindre la conservation d'Angkor, comme tous les matins, pour rejoindre mon lieu de travail, sans m'être rendu compte clairement que les routes étaient coupées et que les soldats nord-vietnamiens étaient déjà en place. J'ai donc été arrêté par les Vietnamiens et ensuite j'ai été mis en contact avec un gradé qui est venu une ou deux heures après pour m'interroger très rapidement. L'homme avait une cinquantaine d'années et je n'étais pas autorisé à me lever, je devais rester assis. Il m'a fait dire mon nom, il me l'a fait écrire dans le sable, dans la terre, avec mon doigt. J'ai écrit mon nom avec mon doigt. Il m'a demandé ce que je faisais, où j'étais, qui j'étais. Et il m'a dit que j'avais beaucoup de chance de m'être fait arrêter par ces soldats, parce que si j'avais continué avec la... En fait, j'ai été pris par les Nord-Vietnamiens avec deux blessés, un soldat qui avait une balle dans le ventre, qui avait été qui faisait partie d'un camion renversé sur le bord de la route, à côté duquel je suis passé pour rejoindre la conservation d'Angkor. Il y avait un jeune garçon qui avait reçu un éclat du B-40 probablement, qui avait été tiré sur le devant du camion. Et au milieu des morts, il restait deux personnes vivantes. Ce petit garçon qui avait le bas du ventre ouvert par un éclat, et ce soldat Khmer qui avait une balle dans le ventre. Et je les ai mis dans la voiture pour les emmener avec moi à l'hôpital de Siem Reap. Donc j'ai été arrêté et l'officier vietnamien m'a fait rentrer au village en me disant que si j'avais continué plus loin, ne serait-ce que 500 mètres de plus, j'aurais été immédiatement, j'aurais reçu un obus de B-40. Oui, excusez-moi de m'interrompre, mais là, je pense qu'on s'écarte un peu. Tout à fait, excusez-moi. Je vous avais posé une question précise, savoir est-ce que vous pouvez nous dire ce que quelles étaient les relations entre, précisément à ce moment-là, entre les Khmer Rouges et les Nord-Vietnamiens. Est-ce que vous avez été informé de l'existence de plans particuliers? Est-ce qu'il y avait des choses particulières qui étaient prévues? Excusez-moi, je me suis laissé entraîner par mon souvenir. En fait, cet officier vietnamien m'a fait un laissez-passer pour retourner à mon village. Et ensuite, je ne me suis plus jamais déplacé sans avoir ce laissez-passer sur moi. Et je l'ai ici d'ailleurs avec moi. C'est un laissez-passer qui est écrit en vietnamien, qui dit, en gros, laissez-passer le grand frère Bizot, enfin le camarade Bizot, je ne sais pas comment il faut dire, pour rejoindre sa maison. Les termes étaient suffisamment larges pour que ça soit encore utile. Et quand je me suis retrouvé à Phnom Penh, en charge du centre de l'école française Extrême-Orient à Phnom Penh, et que je sortais dans la province, j'avais toujours ce
And when laissé passer vietnamien parce que le troupe que l'on rencontrait ou qu'on risquait de rencontrer était évidemment des vietnamiens et non pas des Khmer Rouges qui étaient encore en très petit nombre. Et quand j'ai été arrêté, j'ai cru que c'était quelque chose qui pourrait être perçu favorablement de montrer que j'avais un laissez-passer vietnamien et j'ai su par la suite que c'était quelque chose qui avait été retenu à charge contre moi. Actually, I discovered later on that this was an item. Voilà. Quant à Doug, je pense que il a probablement, dans la mesure où il s'est exprimé là-dessus, sur ce point-là, mon souvenir n'est pas précis, mais je pense qu'il était lui-même très attentif à cette présence des Nord-Vietnamiens qui était un danger pour son pays. Vous avez été donc libéré, vous avez écrit un livre qui s'appelle donc Le Portail. En quelle année avez-vous écrit ce livre? J'ai écrit ce livre en 2000, monsieur le juge. This book in the year 2000, Your Honor. À la page 26 de ce livre, vous avez écrit ceci. J'avais par un malheur au hasard été un de ceux-là, parlant d'un des témoins. Le 10 octobre 71, alors que je m'étais rendu pour mes recherches dans un monastère de la région d'Oudong, à 30 km au nord de Phnom Penh, j'avais été arrêté puis enchaîné dans un camp de détention Khmer Rouge. Pendant trois mois, j'avais vu l'abomination répandre sa chape sur les campagnes. Dès ma libération, l'ambassade de France m'avait demandé de traduire un texte sur le programme politique du Front Uni National du Kampuchea que j'avais rapporté du maquis. Son contenu préfigurait l'horreur. Déjà, y était annoncée l'évacuation des villes et la mise en place d'un collectivisme étatique reposant sur une population réduite. Ces avertissements, dûment relayés à Paris, n'avaient cependant pas trouvé la moindre écoute et la France avait opiniâtrement maintenu son soutien aux Khmer Rouges. Alors, je souhaiterais savoir, vous faites état dans le document. Est-ce que ces documents correspondent à ce que vous avez décrit dans votre livre ou est-ce que vous avez un autre souvenir aujourd'hui? C'est au cours de, du dîner qui a été organisé pour mon départ par les Khmer Rouges, par les chefs Khmer Rouges de la région, d'Omléang, que that le haut responsable de ce dîner, il y avait à peu près 8-9 personnes, et celui qui prenait tout le temps la parole, the one who would speak all the time, pour me parler, to speak to me, pour rire, to laugh as well, pour to faire des commentaires politiques, make political comments, sur la future victoire on the future victory des Khmer Rouges, of the Khmer Rouge. Au bout d'un certain temps, after a little while, m'a dit he said to me, qu'il souhaitait, parce que les Khmer Rouges étaient déjà très présents because the Khmer Rouges were already very much present, dans la ville de Phnom Penh, mais qu'il était difficile pour les révolutionnaires and it was therefore difficult for the d'accéder revolutionaries to, aux ambassades. Get access to the embassies. Et il me so demandait he asked me therefore, si j'accepterais if I would accept de ramener bringing des documents, documents pour l'ambassade de mon pays. French embassy. J'ai accepté ces documents qui m'ont été remis dans une chemise, laquelle je l'ai glissé immédiatement dans la mienne, en demandant simplement, avant qu'il me donne ce document, que ce ne soit pas trop volumineux, parce que je ne pouvais pas
J'avais peur aussi d'être fouillé en arrivant. En fait, ma libération, si elle avait été obtenue de haute lutte auprès des Khmers Rouges, entraînait aussi mon retour also meant my à Phnom Penh en milieu républicain, in a Republican context, au sein duquel il était tout à fait vraisemblable que je suscite une certaine interrogation, étant donné que jusqu'à présent, les seuls prisonniers qui avaient été libérés étaient des prisonniers qui avaient été des Vietnamiens. Les quelques-uns qui avaient pu être faits prisonniers par les Khmers Rouges, pour autant qu'on le sachait, qu'on le sache, n'avaient pas été relâchés. Et ces documents contenaient deux fascicules two imprimés that were printed en Khmer. In Khmer. Je ne peux pas me rappeler I cannot remember du titre the title, ni réellement du nor contenu. The content en revanche, of these booklets. However, j'ai traduit I translated moi-même ce texte parce que text je vivais, enfin, vivais, c'était un bien grand mot parce que ça a pris 3-4 jours seulement. Mais j'ai pris des précautions de voleur pour le faire, étant donné que je n'avais qu'une peur d'être pris s'il y avait une fouille à la maison, chez moi, en possession de ce document, qui aurait signifié pour moi mon départ du Cambodge. Or, c'était la seule chose que je ne voulais pas. Je voulais pouvoir continuer à rester au Cambodge avec ma famille et faire le travail que je faisais, qui était un travail que j'aimais. C'était mon seul souci. Et donc, j'ai traduit rapidement. C'était un travail très difficile de traduction. Et j'ai remis ce texte à l'ambassade de France, ainsi que les photos qui accompagnaient. Il y avait une vingtaine de photos qui étaient toutes des photos d'époque en noir et blanc, je veux dire, bien sûr, qui montraient des soldats Khmer Rouges, peut-être leur armement d'une certaine manière, j'y ai pensé depuis, et qui montrait aussi quelques personnalités du régime Khmer Rouge qui étaient, à l'époque, on en parlait déjà, comme étant, ayant été supprimés par le régime. Il y avait des photos de Hu Yun et de Nuk Nim, qui semblaient bien vivants, en tout cas sur les photos qu'on avait remises. Si j'ai pu me souvenir davantage de ce texte, c'est que quand je me suis mis à écrire, quand j'ai ressenti le besoin d'écrire ce livre, je me suis rendu compte que j'avais bien du mal à me rappeler des détails de cette époque de ma vie passée, qui pour le coup ne reposait pas sur des sensations, sur des émotions. J'ai écrit ce livre non pas comme essentially, I wrote this book, un rapport, understand, not as a report, ni comme un témoignage, nor as an account, mais sur la base d'un ressenti. Et dès lors qu'il s'agissait d'un texte feelings, politique, de toute évidence, comment on parlait et comment y faire référence. J'ai eu la chance de retrouver au Quai d'Orsay, dans les archives du Quai d'Orsay, et comme il n'y avait pas encore tout à fait 30 ans, j'ai demandé une autorisation spéciale et j'ai pu obtenir une copie, non pas malheureusement du texte que j'avais traduit, mais du résumé que le chargé d'affaires de l'époque, M. Agnew, avait lui-même fait ce résumé de ma traduction. Et ce résumé de ma traduction se trouve aux archives du Quai d'Orsay. J'ai une copie de ce résumé qui ne dit pas grand-chose. C'est un texte qui m'a paru que manquait pas mal d'intérêt, de manquer beaucoup d'intérêt. En tout cas, au moins, le titre s'y trouve. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pu être assez précis en rapportant ce titre dans mon livre. By when I was relating this, the title of this text in my book. Alors, Judge Taverne, so I'd like to specify.
Je précise que des vérifications ont été faites par les co-juges d'instruction concernant ces éventuels documents. Des demandes ont été adressées au ministère des Affaires étrangères que deux documents portant le titre « Programme politique du Front uni national du Kampuchea » ont été retrouvés. Figure donc au dossier au code E27.1.3 et E27.1.4. Je pense que, je ne sais pas si les partis ont eu l'occasion de lire ces documents, mais je pense qu'il est facile de convenir qu'ils ne correspondent pas à la description que vous en donnez dans votre livre. Et en tous les cas, je n'ai pas vu qu'il y soit mention de l'évacuation des villes ou la mise en place d'un collectivisme étatique reposant sur une population réduite. In these documents, excusez-moi. Effectivement, ça n'est pas dans le résumé. François Bissot, indeed. This is not included in the summary donc, of these documents. Vous pensez avoir éventuellement pu reconstruire un souvenir et y inclure ce que vous avez reporté dans votre livre ou est-ce que c'est quelque chose dont il était déjà question already, en 1971 Toutes les possibilités sont à prendre en compte, Monsieur le juge. En revanche, Your Honor, je crois me rappeler but I believe that I remember en particulier que in particular, il y avait un terme que j'ai eu du mal à traduire ce texte. Il y avait un terme que j'avais traduit par Richard, parce que c'était une sorte de néologisme que j'avais du mal à comprendre et qu'il me paraissait que de dire les riches ne correspondait pas moins bien, et je l'avais traduit par Richard. Je ne crois pas avoir élaborer ce texte en dehors de son contenu, its content, dont je me souviens largement, sans précision non plus, mais il est probable, que les termes que j'emploie dans le livre sont des termes qui ont été utilisés par la suite, aussi bien dans les journaux que dans les poncifs qui ont été répétés, collectivisme local, population réduite, et que ces termes précis, je les ai utilisés à propos d'un texte dont je ne me rappelle que la teneur générale. Dernière question. Vous avez fait état de l'analyse et de la remise en cause de votre analyse du comportement humain que Duke avait pu susciter en vous. Je vais lire une phrase qui se trouve dans votre livre. Le portail, page 428, vous avez dit ceci. Les êtres qui appartiennent à notre histoire, que le temps a niché tout au fond de notre souvenir, même s'ils ont été l'instrument de notre malheur, finissent par réveiller en nous une sorte d'affection. Alors, je précise que quand vous écrivez cette phrase, vous ne parlez pas de Duke, mais vous parlez d'un nommé Duong, qui en fait était une personne qui avait procédé à votre arrestation en 1971. Pour autant, est-ce que cette phrase, selon vous, s'applique aussi à Duke? The sentence to Duke as well? Do you believe? François Bissot. Le portail well, the gate a été
écrit 30 ans après. Written 30 years later. À travers le souvenir de mes peurs, de mes émotions, the recollection of my fears and my emotions, de mes sensations sur le moment, of my sensations back then, lesquelles ne m'ont jamais quitté depuis 38 ans. Never left me over the past 38 years. Ce que je rapporte de Duit and what I relate et de M13, concerning Duit and c'est donc ce que j'ai vu avec mon propre regard, with my own vécu et ressenti sur le coup et en fonction des traces then, en moi on the basis also laissées par ce ressenti. What these feelings left in me. C'est une démarche littéraire. It's a literary approach qui s'appuie sur which is based une reconstruction, un ressenti. The reconstruction of an emotion. Ce qui n'exclut pas which, however, does not qu'à travers les images, les émotions qui sont restées en moi, j'ai retrouvé, peut-être pas la chronologie, une certaine of the events, vérité, sinon exactitude, des situations qui me sont arrivées dans ce camp. Et les propos qui ont été tenus, soit par doute, soit par moi, soit par des gardiens que je rapporte, l'ont été, non pas sur la base des mots qu'ils ont prononcés, mais sur la base du contenu des échanges, ou de ce qui avait été, ou sur ce que cela voulait dire. Maintenant, vous avez fait référence sur un point précis de l'affection que certaines choses peuvent rester gardées. This idea of affection, on peut garder de certaines choses, même quand ils ont été un instrument de malheur. That you can have affection for something even if it has been a source of evil. Je dois dire que I must say, la rencontre that ma rencontre my encounter avec Duit a marqué mon destin left a et toute ma réflexion on my destiny et tout ce que je suis aujourd'hui conditioned pour une raison the entirety of what I am simple today for a very simple reason et tragique. And for a tragic reason as well. C'est que je dois it is that I owe m'arranger I must interpret it correctly, sorry. I must avec ce qui est en moi I must come to terms with what's in me par rapport à une donnée double in relation to a double reality, celle d'un homme the reality of a man qui a who été le vecteur was the vector le bras the force d'une tuerie of massive killing étatisé state institutionalized massive killing I should say et je ne peux pas m'imaginer and I cannot imagine me mettre aujourd'hui à sa place being in his shoes today avec en soi-même autant d'horreurs perpétrées with so much horror et d'autre part behind me left behind le souvenir and on the other hand the recollection que j'ai that I have d'un jeune homme of a young man qui s'était engagé, qui a engagé sa vie, son existence, his life and his existence pour une cause, to a cause et vers un objectif and to a purpose qui s'appuyait that was sur based l'idée on the que le crime n'était pas seulement légitime, mais qu'il était méritoire. But that it was deserved. Je ne sais pas quoi faire de cela, monsieur le juge. What I can make of this, Your Honor. Mon existence m'a amené my à côtoyer brought me to intimement l'un et l'autre, et je ne be peux pas in contact with this person, and I cannot me débarrasser de cette idée get rid of this idea que ce qui a été perpétré par Duit and I cannot rid myself of the idea that what aurait pu l'être perpétré par un autre perpetrated could also have been perpetrated by someone else et qu'en essayant de comprendre and that by trying to understand
il ne s'agit pas un seul instant de minimiser I'm not trying at any moment to minimize this, of course, la portée, to minimize la profondeur, the reach, l'abomination and the horror de son crime. Of his crime. Ce crime qui est le sien, this crime which is his. Et c'est là où les choses sont particulièrement difficiles pour moi. Things are particularly difficult for j'ai senti que c'était celui d'un homme that these crimes are the crimes of a man, et que pour en mesurer l'abomination, and in order to c'était certainement pas horror, en faisant horror, de doute un monstre it was certainly à part, not by transforming Duch mais into c'était some kind of monster, but en rather, réhabilitant en lui, ou plutôt en lui reconnaissant acknowledging cette humanité his humanity, qui est la sienne comme la nôtre et qui est ours, manifestement and that is, qui n'a pas été manifestement un obstacle and that was aux tueries not an qui a été perpétré. Unfortunately, to the massive killings et c'est that cette were perpetrated. Prise de conscience and it is this awareness des caractéristiques de l'ambiguïté de cette humanité ambiguity of humanity, this ambiguity in his humanity, in humanity, qui cause that mon drame aujourd'hui, causes Monsieur le Juge. My tragedy, my personal tragedy today, Your Honor. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aurai quelques questions à poser maintenant à l'accusé lui-même. Je vous demandais, Monsieur le Président, si vous pouviez me donner l'autorisation de poser quelques questions maintenant à l'accusé lui-même. May I put some questions to the accused? The President, President. Judge Jean-Marc, you could proceed to ask question to oui, the accused while he remains sitting at l'accusé, location. Tout en lui permettant de rester là où il se trouve, assis. Alors, ma première question est la suivante. Vous vous souvenez que lorsque je vous ai posé des questions concernant les conditions d'hygiène des détenus, vous avez affirmé de façon très ferme que les détenus avaient la possibilité d'aller se laver à la rivière. Vous venez d'entendre ce qu'a dit le témoin. Il a dit qu'il était le seul avoir eu ce privilège. Alors j'aimerais savoir ce que vous avez à dire sur ce point très précis. The accused, Your Honor, we both did not betray the truth. Nous n'avons pas trahi la vérité, que ce soit pour son récit et pour mon récit. Ceci est la vérité. When Bizot was with me, we were next to a small stream, à proximité about 30 centimeters d'un petit cours d'eau, deep. Mais de profondeur, c'est ça. Donc il y avait une profondeur de 30 cm. So he is right to say that because okay. At that time the inmates who were detained there could not wash les détenus ne pouvaient se laver stream. Dans ce cours d'eau. I personally reported already that it was
at another location when we were close to the river. Dans notre emplacement, quand nous étions à proximité d'une rivière. Donc, si je comprends bien ce que vous nous dites, c'est que au moment où M. Bizot était détenu, les autres détenus n'avaient pas la possibilité d'effectuer leur toilette à la rivière. Wherewithal to wash at the river. Vous avez également, je suppose, entendu le témoin dire que le mensonge était l'oxygène que l'on respirait à M13, qu'il y avait par ailleurs la présence de la mort extrêmement forte, et il a également fait état de ce que vous lui avez dit à propos de la, la torture, puisque c'est le mot qui a été employé. Alors, j'aimerais savoir ce que vous pensez de cela, et ensuite j'aurai une autre question. The accused, regarding the tortures, I already detailed it. First, we torture the detainee called Carbon Hill. Le détail, nous avions le détenu Carbon Hill. So, probably that was the case when I shared in conversation nous partagions des conversations avec François Bizot. Regarding the small hut, pour ce qui est de la petite cabane, rings or avec I think anneaux, he did not lie to je us. Ne pense pas qu'il ne nous ait menti. But those items did not belong to me. Ne m'appartenaient pas. I would like to confirm that before the establishment of M13, la création d'M13, there was a police office il y avait already. Un bureau de police that was one déjà led cet emplacement. By the people from Hanoi. Et so I think probably that location et donc, was left over from those predecessors, and we plan. Just located at the place left over et from nous, them. En fait, maybe. On s'est installé là où ces personnes anciennement avaient installé ce poste. I never contest the tortures. Je ne remets pas en question les tortures. Je ne l'ai jamais fait. Tortures, à l'époque, tortures. En tout cas, il y avait deux types de tortures. And that's all I already Et clarified. C'est tout ce que je souhaite préciser, que j'ai déjà précisé. Qu'est-ce que c'est que ce bureau de police tenu par des gens de Hanoï? The accused, l'accusé, the police office le bureau was de police in the same form as office of M13. Avait la même forme que le bureau de M13. But Tamok already demolished that office before the establishment of M13. La création d'M13. I was
appointed as the chief of M13, and I tried to ask to ask people to get information why Tamok really demolished la raison pour laquelle Tamok avait déjà démoli le bureau de police. Because I asked that to make sure that I would not fall in the same footstep. I mean, to be gotten rid of by Tamok. Son chemin, c'est-à-dire que ce qu'on faisait n'allait pas être détruit par Tamok. Je vais donner lecture d'un autre extrait du livre de M. Bizot. Il s'agit d'un passage qui se trouve à la page 184. Donc c'est le dialogue entre vous et François Bizot. François Bizot dit ceci. J'ai cru deviner à des bribes de conversation que des prisonniers de notre camp avaient été attachés et battus. Réponse, votre réponse. La plupart des gens qui arrivent ici, expliqua-t-il après un silence, ont été pris en flagrant délit d'espionnage. C'est ma responsabilité de les interroger pour savoir quels sont leurs contacts, quel type d'informations ils recherchent, qui les paye. Un seul de ces traîtres peut mettre en danger tout notre combat. Imagines-tu qu'ils vont dire ce qu'ils savent de leur plein gré ? Question de François Bizot. Mais qui frappe ? Ah, coupa-t-il. Ah. Donc vous donnez votre réponse. Leur duplicité m'insupporte au plus haut point. La seule façon est de les terroriser, de les isoler, de les affamer. C'est très dur, je dois me faire violence. Tu n'imagines pas combien leur mensonge me met hors de moi. Quand je les interroge et qu'ils recourent à toutes les ruses pour ne pas parler, privant ainsi notre commandement d'informations peut-être capitales, alors je frappe. Je frappe jusqu'à en perdre le souffle moi-même. Est-ce que ce qui est rapporté dans ce livre correspond à quelque chose qui éveille des souvenirs en vous, à quelque chose qui correspond à une certaine réalité? Does it elicit any kind of recollection? Do you find that it is congruent and faithful to the truth? The accused. La réponse. I still believe that the story that I told. Le récit que j'ai rapporté à M. Bizot was the same story that I interrogated a spy named Cao Bun Hien. Se souvenir d'avoir interrogé un espion, Cao Bun Hien. At that time, I have already reported to the judges or maybe the co-prosecutor that at that time I was having a malaria. I felt dizzy. À l'époque, je suis tombé malade. Je souffrais de paludisme, donc je me sentais mal. Perdait l'équilibre. When interrogating, while interrogating that person, two comrades from Hanoi walked freely to that place, and then beat the guy, and the guy confessed that he was the spy. Et la personne en question, la personne a avoué que c'était un espion.
Having seen that, I was very angry and I was walking toward him about to beat him. Et je suis sur le point de le frapper. Then I grabbed a whip or a stick. Then the guy beat me. And then I could not beat him because I was out of breath myself already. Then I let him to be taken to his rest place. So it was that time that I was feeling very bad because my health condition was pas bien, not good. J'étais faible. Ma santé n'était pas très bonne. So when physically I was not well and emotionally I witnessed that situation when the two guys came to beat the guy in front of me, then I was very emotional. En fait, lorsque les deux personnes ont frappé l'autre personne devant moi, bien les émotions étaient intenses. Apologies for interrupting you. However, la personne a été interrompue. Est-ce que on doit comprendre ce que vous nous dites from que ce que M. Bizot rapporte ne correspond pas à ce que vous lui avez dit? Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que ce n'est pas la vérité? What you said to him, is it true or is it not true? I have not read the text by Bizot clearly yet. Écrit par Bizot, en tout cas pas encore nettement, précisément. But the story that I still remember was that story that I just informed celui que je viens de your vous présenter. For the time being, right in front of you, I am not yet in the position to object that story and because the story had happened 30 years ago, more than 30 years ago. Could you please leave us, give us some time to reconsider the matter among ourselves? Puissiez nous donner du temps pour que nous puissions y réfléchir, nous en rappeler. Alors, juste une précision. Ce livre, vous l'avez en votre possession. Il vous a été remis par vos avocats. I think this book has been given to you. A copy has been given to you by your lawyers, and you have not read it. Ne l'ai pas. No, I simplement à la page 169, il a écrit de la perte de Lai et Son. He talks about the loss of Lai and Son. Vous vous souvenez de la page précise, mais vous ne vous souvenez plus de ce qui a été écrit concernant la torture. About torture in that book. Oui. ខ្ញុំគិតថារឿងទារុណកម្មរឿងអីអីនេះជាអកតកម្មដែលវាមានទៅលើជនរងគ្រោះមែនពិត I think the matter of torturing is a question portant sur la crimes against humanity. It is true. C'est vrai. And I know that when François Bizot was with me, I never beat him or punished him. So I observed his sorrow, his sadness, and his gratitude toward Lai and Son. Gratitude vis-à-vis de Lai et de Son. Alors, Judge Laverne, one last question. Juge Laverne, une dernière question. Il a été beaucoup question de votre désir de connaître la vérité, de votre haine du mensonge.
much has been said about your hatred je voudrais for lying. Savoir you hate si vous confirmez lying. Ce qui est à la cote D67 du dossier. Il s'agit de l'un de vos interrogatoires et les co-juges d'instruction vous ont posé la question suivante. Ceci, alors je ne sais pas, alors je vais donner peut-être le numéro d'IRN également, c'est le 00 17 76 45. Dans la version française. D67. Is the reference number. La question qui est posée document. Est la suivante. So the question asked is as follows. Ceci conduit à vous interroger sur la valeur que vous accordiez au contenu des confessions. Pensiez-vous qu'elles reflétaient la vérité? Votre sentiment a-t-il évolué sur ce point au fil des années? Have you started to think differently about this? Vous expliquez un certain nombre de choses concernant S21, on y reviendra peut-être plus tard, mais vous dites également ceci un peu plus bas. You also say the following a little bit en réalité, I quote, déjà du temps de M13, je savais que les confessions ne reflétaient pas la vérité. J'ai été forcé de travailler au service d'une organisation criminelle toute ma vie et j'assume ma responsabilité pour cela. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de lire? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des commentaires? Réponse de l'accusé. I have heard and the statement your honor just read out. La déclaration que vous venez de lire. And it is of course the statement about my position on my analysis on the confessions taken by the torture. And I still acknowledge that this is the crimes that cannot be denied. Qui ne peuvent être niés. Ma question est plus précise. Vous dites textuellement ceci. Déjà du temps de M13, je savais que les confessions ne reflétaient pas la vérité. Alors, est-ce que vous confirmez que vous saviez que les confessions étaient contraires à la vérité? Not the truth. I still maintain that. C'est ce que je maintiens toujours. The confession. Les aveux. Est-ce que vous pouvez répéter la dernière phrase que vous avez dit? Peut-être qu'il y a eu un problème de traduction. The last sentence, your last sentence, sir, because I believe there was possibly a translation. ខ្ញុំនៅតែទទួលស្គាល់ថាសេចក្តីសារភាពដែលយើងខ្ញុំទទួលបានមិនស្របនឹងការពិតទាំងស្រុងទេយ៉ាងច្រើន. I still maintain that all the confessions we obtained did not reflect the truth. Ne maybe 20% only that reflects the 20%. Ces aveux reflétaient la vérité. The most 20% of the confessions reflected the truth. 20% de tous les aveux reflétaient la vérité. And regarding the people who were implicated in such confessions, so there were only 10% of truth in them. Il n'y avait que 10% de vérité quant à la teneur de ces éléments.
est-ce qu'il y avait une vérité qui était une vérité d'ordre politique, une vérité qui devait être conforme à une ligne prolétarienne, je ne sais pas comment la qualifier, qui faisait qu'on occultait le fait que ça ne soit pas la réalité? And there had to be some kind of difference from some other kind of truth. Your Honor, could you please leave me some time to consider this deeply because it is rather complicated before I can make a clear response. Avant de me permettre de formuler une réponse claire. I think, could you please rephrase your Honor's question by splitting into more simplified wordings? En la découpant en plus petites parties. Judge Laverne, you said that 20% only of the confessions were... Vous avez dit que seulement 20% des confessions étaient conformes à la vérité. True, ma question est la suivante. So est-ce que, pour le reste, elles étaient conformes à une vérité qui n'était pas la réalité, mais qui était la vérité voulue par le parti, par la ligne prolétarienne, par l'idéologie? Would that validate a different kind of truth? The percentage that I refer to as not reflecting the truth, which was about 20% only. La vérité, donc on n'est qu'à 20% des aveux qui représentaient la vérité. When we arrested a lot of people, nous arrêtions de nombreuses personnes. Some people, who only conducted revolutionary activities, but they were accused of being the insiders. Ou qui étaient accusés d'être des informateurs. Therefore, I may pick up the confession of Khoi Thuan. Eh bien, je peux par exemple prendre confession, confession but the upper echelon read their confession. Lu ses aveux, they said that the confession was true. True. Et m'a informé que ces aveux étaient véridiques. But for me, I still balanced between the traitorous activities or the revolutionary activities, because Khoi Thuan said he done that because of the order from the CIA, for example. Étant donné, alors sur ordre de la CIA, donc c'était une taupe, par exemple. So the reason that I said that the confessions were not true because it is consistent with that situation. Pas véridique, eh bien, c'est parce que ceci était en ligne avec la situation de l'époque. Alors, une ultime question. Vous avez entendu aussi ce dont il a été question à propos de la délation. Est-ce que vous savez ce que c'est que la délation? Vous n'avez pas entendu la question? J'ai entendu la question, mais je ne comprends pas le mot délation. La délation, c'est le fait de dénoncer. Est-ce que la dénonciation faisait partie des principes que l'on devait mettre en œuvre pour devenir un bon révolutionnaire? Est-ce que, j'ai entendu ce qui a été dit tout à l'heure, il était apprécié
de pouvoir, par exemple, dénoncer ses propres parents. To be able to denounce your own father and mother. They accused this is the matter of theory. C'est une question de qui a trait à la théorie. I heard this it was said long ago, even when I was detained même lorsque at j'étais détenu the main prison à la prison centrale. C'était it was le said cas about Vietnamese cadres que à propos des cadres vietnamiens Who arrested their fathers qui and then père. They pleaded before the father before and saying you know like sorry before they shot their father de tuer leur père. In practice, I already reported to your honors. I do not like allowing their subordinates or the children to report or denounce their parents. Je n'aime pas les ou les enfants dénoncent leurs parents. I never wanted anyone. Je n'aimais pas ça et je n'ai jamais voulu que to denounce qui que their ce parents. Soit dénonce ses parents. The president. It is now time to break. So the chamber would like to adjourn the session now. Donc nous allons mettre un terme à l'audience. The hearing will be resumed tomorrow at 9 a.m. So I would like now to ask the security guards to take the accused back to the detention facility and bring him here before 9 a.m. Mr. François Bizot, since puisque vous avez you are going to be heard also from 9 a.m. à partir de 9 h we would like you to come back to présence, the courtroom starting from 9 a.m. tomorrow. De 9 h and demain matin. I would like the court officer to facilitate with Mr. François Zou so that he can go back to his place and then come back to the court on time. And I would like to tell the public and parties to please come back to the courtroom before 9 a.m. Thanks. The court is adjourned.